Obim la brosse, amou dans la main. Asphalt payant, Zali.
Batuna sama zali. Batema lo wani sise. Batema lo wani sise. Yeah.
Ma maman, bon là, voyez que bon là. Ah, ou qui est ce jour, on se reverra. Et si je te dis cette chose, on se pense à toi, daddy. Si un jour tu peux rentrer pour épouser mes pieds, les soucis m'ont bloqué, le rat normalisé. Mais la mort n'arrête pas l'espoir. Et le bon Dieu reste à ton âme. Si un jour tu peux rentrer pour épouser mes pieds, les soucis m'ont bloqué, le rat normalisé. Mais la mort n'arrête pas l'espoir. Banzanza nous a basolé là. Celle qui est capable d'ouvrir mon cœur, que Liane. Et je pense qu'il verra comment l'amour de Dieu a gagné tout mon cœur. En comblant le vide que j'avais auparavant, je t'aime Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia.
choses par lui et pour lui. Mela na yo, 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 mela na yo
Masala Bouyou. Pas de prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien, mesdames et messieurs, nous allons débuter la cérémonie et entrer à l'inhumation de monsieur Dadi Masala Mouilou. Mais avant tout, au nom de toute l'équipe de la sphère interterrestrielle et d'être en cible l'intropole, ni choisi pour son enterrement. Nous vous disons infiniment merci pour le choix de la métropole. Car la métropole qui vous accueille à cet après-midi, c'est l'excellence et la considération de nos chers disparus. C'est ce qui explique tout ce que nous avons en cet instant comme cérémonie à l'endroit de M. Dadi. Alors, M. Dadi était un homme aujourd'hui censé nous rendre des hommages dignes de ce monde. Et par ailleurs, chère famille, à ma gauche, vous trouverez des installations sanitaires. Nous les avons érigées pour vous recevoir. Alors, vous avez intérêt de les laisser propres après les avoir utilisées. Il s'est informé à la métropole de tous les cercueils et prohibés. On n'ouvre pas les cercueils ici à la métropole, car aucun d'entre nous ne sait la quantité de produits qu'on a ici dans les cercueils. Alors, nous sommes censés nous protéger et de protéger aussi les autres. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs pour votre compréhension, mais et surtout pour votre franche collaboration. Cela étant dit, je voudrais introduire ce petit monde qui est entré à l'inhumation de monsieur Dadi Masala Mouilou par cette citation qui nous dit ceci, je cite. La vie n'est jamais comme on l'imagine. Elle vous surprend, vous effraie. Elle vous fait rire ou pleurer. Quand vous ne vous y attendez pas, tant de citations. Dixit Niki de Saint-Paul, lettre à son ami Timbéni. Chers parents et amis éplorés, aujourd'hui, un seul mot est sur toutes nos rêves, à savoir tristesse. C'est nous qui revient souvent dans nos propos, surtout quand on est confronté au décès de notre cher. Et comme le disait Shakespeare dans Hamlet, cette contrée ignorée dont les voyageurs méridiens, c'est là où réside désormais monsieur Masala Mouilou Dadi. Chers amis, monsieur Dadi Masala qui nous quitte aujourd'hui, reposera dorénavant dans cette terre de la cité dédiée à la chère disparue, la métropole académie. Pour nous, la famille, les amis et collègues, il nous est encore difficile de prononcer cette élégie. Dans les chambres, nous étant établis maintenant les besoins de ces logements. Difficile d'accepter la disparition d'un proche. Monsieur Dadi Masala, que nous pleurons tous ces jours, était pour nous libérer l'homme indépendant. Pour nombre d'entre vous, il était un homme social, généreux, sympathique, jovial, avec un sens du mot dont on est reconnu, un homme assidu, discipliné et respectueux des valeurs sociales et morales. Ce qui faisait que sa compagnie était toujours recherchée. Aujourd'hui, sans qu'il y ait gare, sans nous prévenir, il nous laisse sur le quai de la vie et nous quitte, nous laissant émerger en plus de tristesse. Ainsi, pour maintenir sa mémoire vivre à jamais, nous retiendrons que M. Dadi Masala, chaleureusement surnommé par ses proches Gigolo Lego, tire sa lignée parentale de papa Masala Ferdinand et de maman Lambo Mba du village Nouton Zoumou,
c'est la bénédiction du territoire de Matangourou, dans la belle province maritime du Congo-Chapa. Il a vu le jour, le vendredi 24 avril 1987, ici à Kinshasa. Il voit partir ce jour dans la félicité éternelle, en nous quittant soudainement les dimanches 24 avril 2022, les jours même de son anniversaire. Laissant derrière lui les guerres brisées de tout ce qui était encore attaché à lui et qui avait encore des choses à partager avec lui, particulièrement sa tendre fille. Chers parents et amis éplorés, comment contenir les sentiments d'injustice et de révolte face à un tel péché? Monsieur Dadi n'est rêvé qu'une seule chose, à savoir vivre, garder honnêtement sa vie, qu'elle connaît tous ses plaisirs. Comment alors combattir à la souffrance de vous qui venez ainsi de perdre et de tes chers, qui nous quittent ces jours comme nos rêves? Cependant, conscient que la mort est la raison de notre existence sur terre, convaincu tous que le départ de M. Dadi aujourd'hui n'est pas un adieu et à jamais. Mais rien que nous revoir et à bientôt. Chers familles, chers parents et amis, rassurés par ce vent de l'espoir qui souffle sur vous, vous verrez bien d'offrir une petite place dans vos cœurs à M. Dadi Massa. Plutôt que d'aller les chercher, plutôt que d'aller les chercher à son domicile situé au numéro 26B, quartier Molokotan, commune de Mabété. Nous appelons le de dimanche à la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, que j'ai aussi de la commune de Mabété toujours, où il était un fervent chrétien. Car en cet instant précis, ils vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, M. Dadi vient de leur domicile dans cette magnifique cité dédiée à nos chers disparus, qui est la nécropole Akadena, commune de l'Ancien. Et cela dans le quartier Alain, au numéro 157 de la rue de la Béatitude. Je répète la nouvelle adresse de M. Massala Mouilou Dadi, et je vous prie de bien vouloir la retenir à date de séjour et de l'identifier nécropole Akadena, commune de l'Ancien. Et cela dans le quartier Alain, au numéro 257 de la rue de la Béatitude. C'est ici que nous parions, chers amis, que vous reviendrez très souvent. Quand vous le pourrez rendre visite à sa nouvelle adresse, sans attendre nécessairement le 1er août, qui est journée officielle de mort en République de Kinshasa du Congo. Pour lui rendre visite, vous souvenez et réfléchir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, volontaires de Dieu de Kinshasa et la Croix-Rouge qui m'accompagne cet après-midi, une fois de plus, nous réitérons à vous, sa famille, ses amis et connaissances. Tous ici rassemblés, nos condoléances le plus affligé. Chers familles, méritons la paix et le repos éternel, nous prendrons ainsi congé de M. Dadi, tout en lui disant en l'unisson et en toute humilité en disant au revoir. Et cela dans le rang cher à ses aïeux en petit Congo, et nous disons tout simplement. Ah, tu vois, on a dit que si tu surpasses la montée, mon boy. Le bon,
Yeah.
Commandant Kanyama, Aristote Amanda, Amigo Star, Amigo Star.